écoute, ça fait plaisir. Un retour d'une cérémonie d'une telle envergure, parce que c'est vrai que même si on ne fait pas forcément notre musique pour ça, c'est cool qu'il y ait des gens qui reconnaissent qu'on fait de la bonne musique et du coup qu'on ait une cérémonie et que, voilà, qu'on soit mis au devant à la télé et tout, c'est lourd. C'est la surprise. C'est la surprise, on va jouer le jeu. Bien sûr que j'ai prévu un truc, mais je vous dirai pas quoi. Je suis nommé dans deux catégories. Bah écoute, comme je le dis souvent, tu vois, je suis... Maintenant que je sais que le rap c'est un sport et c'est aussi un jeu, c'est aussi une compétition, ça veut dire que s'il y a des trophées à remporter et qu'on peut les remporter, je serais très honoré de le remporter. Et surtout aussi parce que c'est la première édition, donc voilà, ce serait lourd de gagner un trophée. Peu importe lequel sur les deux, ou peut-être les deux, ce serait lourd de fou. J'ai pas voté. J'ai influencé mon public, mes supporters à voter, mais moi j'ai pas voté. Je suis en mode. Vu qu'on joue ça, au Ballon d'Or, les joueurs ils peuvent voter pour eux. Donc voilà. Donc non, j'ai pas voté. Je suis content et ce sera mérité. Hein. Je réagirai en mode merci pour tout et voilà, on repart au charbon et à l'année prochaine et à l'année d'après et à l'année d'encore après. Et c'est comme ça. C'est la compète et on joue le jeu à fond, c'est tout.